Bonsoir et bonjour, dépendamment de l'heure où vous suivez ou regardez cette vidéo. Mon nom, c'est toujours Prof. Semius. L'école, c'est toujours CTA, qui est Centro Tecnología de las Américas. CTA vous offre des cours via sa chaîne YouTube, les cours d'informatique bureautique, de dépannage d'ordinateur, de sérigraphie, d'infographie cruelle du Photoshop et de réfrigération de climatisation. Eh bien, on continue avec les cours de sérigraphie. On va voir dans ce cours comment faire de l'impression après avoir dépouillé l'écran. Maintenant, David setup un t-shirt ou un maillot sur la table à impression. Ok, maintenant on va mettre l'écran. David et Evelyn sont là. Ok, David dépose l'écran. Voilà, David dépose l'écran sur la table à impression. David dépose l'écran sur la table à impression. Eh bien, Il montre comment on va racler ça. On va se servir de la raclette et il nous montre comment on va racler ça. Maintenant, ça, c'est le plastisol rouge que Evelyne nous montre le plastisol rouge. Eh bien, Evelyne va mettre le plastisol sur le camp. Il y a une partie qu'on va boucher. On va boucher avec de l'adhésif. Ok. Eh bien, on montre où doit-on déposer l'émulsion. On montre là où doit-on déposer l'émulsion. Maintenant, on commence à déposer l'émulsion. C'est l'émulsion. C'est la peinture rouge. Alors, on ne dépose pas l'émulsion. C'est pas l'émulsion de préférence, mon Dieu. C'est la peinture au plastisol. C'est plastisol rouge ou peinture rouge. On va faire ça de différentes couleurs. On ne va pas l'imprimer avec une seule couleur. On montre comment doit-on passer la raclette. C'est d'une partie à l'autre, d'un bout à l'autre. On montre le sigle, on va émettre trois couleurs. On montre comment, si on met trois couleurs, on va passer. Vous voyez, il faut, voilà, on commence à racler. David commence à racler là. Il racle. Voilà, il commence à passer doucement la peinture. Il passe doucement la peinture. Le plastisol, il passe doucement. Vous voyez, il passe doucement le plastisol. David passe doucement le plastisol. Ok. Là, c'est ce qu'il fait doucement. Il passe le plastisol. On regarde. On suit. Il commence à racler d'un bout à l'autre. Voilà, il racle d'un bout à l'autre.
Il racle d'un bout à l'autre. Il racle d'un bout à l'autre. Il racle d'un bout à l'autre. Il racle d'un bout à l'autre. Il racle d'un bout à l'autre. On va faire ça de différentes couleurs. On ne va pas le faire avec une seule couleur, afin que vous-même vous puissiez le faire. Voilà, c'est ce qu'on fait maintenant. C'est ce qu'on fait là. C'est ce qu'on fait. Voilà. David continue à racler. David continue à racler d'un bout à l'autre. Il 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 continue à racler d'un bout à l'autre. Voilà, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Voilà, David, merci. Evelyne va appliquer d'autres couleurs de peinture. Evelyne va appliquer d'autres couleurs de peinture pour le sigle. Voilà, il va mettre pour... Et pour quelle lettre? Pour quelle lettre qui va déposer ça? Pour la lettre. Pour quelle lettre Evelyne va déposer ça? On regarde, on suit. Pour la lettre P, à ce qu'il paraît. Pour la lettre P. Voilà ce qu'il dit David. David applique ça sur la lettre P. David applique ça sur la lettre P. Voilà. C'est IPJ. David applique ça sur la lettre P. Sur la lettre P dans le sigle IPJ. Dans le sigle IPJ. Il applique ça dans le sigle IPJ. Il applique ça dans le sigle IPJ. Voilà. Il applique ça dans la lettre P, sur la lettre P. OK, sur la lettre P. On applique la peinture rouge, plastisol rouge. Pour les deux autres lettres qui restent, la lettre I et la lettre G, on va appliquer des autres couleurs différentes. Des autres couleurs différentes. On regarde l'application de la peinture rouge sur la lettre. La peinture rouge sur la lettre P. Maintenant, on applique la peinture bleue. Le plastisol bleu sur la lettre I. On applique le plastisol bleu sur la lettre I. Donc, on va faire un petit design avec ça. Je pense que cela vous plaira. Ouais, c'est ce qu'on applique là. On va appliquer une autre couleur sur la lettre G. Oui, comme je viens de le dire, on va appliquer une autre couleur sur la lettre G. Voilà, c'est la couleur jaune, la peinture jaune, le plastisol jaune qu'on applique sur la lettre G. On applique le plastisol jaune sur la lettre G. Voilà, c'est ce qu'on fait. On applique le plastisol jaune sur la lettre G. OK, le plastisol jaune sur la lettre G. On racle ça pour qu'on puisse terminer avec le design. Excusez-moi. Donc là, c'est ce que David et Evelyne sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de racler les lettres par lettres. Donc c'est pour que vous-même qui nous regardez, vous puissiez savoir, vous puissiez
cap, vous puissiez savoir comment, vous puissiez être en mesure de le faire vous-même si vous avez plusieurs couleurs. Et pour les lignes, on applique la couleur rouge. La couleur rouge, la peinture rouge, le plastisol 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 rouge. Voilà. On va racler ça d'un bout à l'autre. On va racler ça d'un bout à l'autre afin que vous puissiez vous-même regarder et voir comment le faire. Et être en mesure de le faire vous-même. Et être en mesure de le faire vous-même. Et être en mesure de le faire vous-même. Et être en mesure de le faire, voilà. Lettre par lettre. 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 Partie par partie, vous voyez. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Voilà pour les lignes. Voilà pour les lignes. C'est ce qu'on fait pour les lignes. Voilà. Donc, c'est toujours CTA. Une école au pair pour une nouvelle génération de professionnels. Voilà. Voyez. Voilà. On va enlever les cas. On enlève les cas. Voilà. Voilà l'impression. Voilà l'impression qu'on vient de faire. Installation plaisir de Gadion. Voyez. Donc, c'est pas du tout difficile. C'est pourquoi on dit CTA. C'est une école au pair pour une nouvelle génération de professionnels. Voyez. Donc, c'est pas du tout difficile. C'est très, très, très facile avec CTA. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos suggestions et vos questions. Ce sera toujours un plaisir pour nous de vous répondre, d'échanger avec vous. Merci à vous qui avez suivi ce cours. Merci à David. Merci à Evelyne qui nous montre la racle. Voilà, regardez l'impression. Voilà, merci à vous, merci, chers étudiants. Voilà, David nous montre l'écran. Et le t-shirt. Voilà, merci David, merci Evelyne, merci à vous deux. Merci. Au revoir.